Bonsoir à toutes et tous et il est encore temps de vous présenter mes vœux et accessoirement de les présenter à la bande dessinée tout entière qui en a quelquefois besoin. Nous nous rapprochons d'une histoire que les uns et les autres, les unes et les autres, nous connaissons un peu mieux. Une histoire dont nous avons été les contemporains et donc les susceptibilités seront plus grandes que jamais, lorsque j'insisterai sur tel ou tel et glisserai ou méconnaîtrai tel ou tel autre auteur ou œuvre ou série qui vous est chère. Bien sûr, dans l'heure et demie qui nous est accordée, que nous nous accordons, que vous m'accordez généreusement, il n'est pas question d'évoquer tout le monde. Et puis en plus, dans ce cas-ci, je vais me concentrer assez fortement sur la question des revues, sur le support sur la spécificité du support et ce qu'elle a généré dans le monde de la bande dessinée. Et dans la prochaine conférence, dans un petit mois, j'évoquerai ce que j'ai intitulé le triomphe du roman graphique. Or, le triomphe du roman graphique, où j'évoquerai à la fois des œuvres du monde anglo-saxon et des œuvres du monde francophone, le triomphe du roman graphique recoupera plusieurs fois cette séance et permettra d'y revenir sous un autre angle, davantage celui du livre, celui de l'œuvre, que celui du support papier. Et donc, euh, par exemple, Tardy ou Bilal, qui ne seront évoqués que rapidement aujourd'hui, le seront un peu davantage la prochaine fois. Donc, ne vous indignez pas trop vite. Et je ne voudrais pas euh, proférer des menaces aussi terribles que celles que le journal pilote. Voici un certain nombre d'années évoquées, mais évidemment, vous avez tout intérêt à acheter ce journal, sinon quel meilleur début, quel meilleur avertissement pour une époque où le journal hebdomadaire, mensuel, bimestriel, trimestriel, irrégulier, était le lieu même de la bande dessinée. Et cette histoire-là, elle commence avec... Un hebdomadaire, enfin ce fut longtemps un hebdomadaire mythique, un hebdomadaire que je pense toutes et tous vous avez lu peu ou prou à l'un ou l'autre moment, ou en tout cas vous avez lu certains de ses auteurs sous forme d'album, car sans Pilote, sans le fameux Pilote, la bande dessinée aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle était. Et pourtant en 1959, au moment du lancement du numéro zéro, deux pilotes, on ne peut pas dire que la révolution était en marche, on ne peut pas dire que la bande dessinée brillait de tous ses feux. C'était un numéro zéro qui laissait, somme toute, d'après ce que j'en ai retrouvé, puisque je ne le possède pas, qui laissait assez peu de place à l'image. Quant au petit Rodolphe qui présentait le verre magique, ou à Marcel Fort qui vous apprenait à jouer au pont transbordeur, je ne suis pas sûr qu'ils auraient suffi à remuer les foules et à susciter des vocations innombrables. Le petit Nicolas était là, certes, mais surtout avec du texte. Mais entre le numéro zéro, conçu par François Clotot, un journaliste, et le numéro un, déjà, il y a des auteurs qui s'agitent, des auteurs qui se mobilisent, des auteurs qui commencent à faire d'un journal leur affaire. C'est quelque chose de relativement nouveau par rapport à ces... Autres journaux, ces hebdomadaires, ces publications diverses que nous avons évoquées les dernières fois. Uderzo, Charlier et Goscinny, que vous voyez à peu près sur la photo de gauche, sont des anciens de Spirou et de Tintin. Ce sont des vieux routiers de la bande dessinée. Ce sont aussi des auteurs conscients d'un métier en train de se développer, essayant d'y faire reconnaître le statut de scénariste, ce qui est très neuf. Deux scénaristes parmi les animateurs de cette revue et un tandem déjà constitué et promis à un avenir extraordinaire, Uderzo et Goscinny. Alors voilà, on peut y aller pour le numéro un, même s'il n'y a pas de bande dessinée en couverture, même s'il n'y a pas de dessin, on peut y aller. Ça, c'est un journal. Ah oui, en 1959, à l'automne, ça, c'est un journal. Mais ce n'est pas non plus, malgré le rapport aux uns et aux autres, qui ne sont d'ailleurs pas des révolutionnaires dans l'âme, hein, Charlier, Costini, Uderzo sont plutôt des gens posés, euh, ils veulent faire un journal qui allie l'utile et l'agréable, le documentaire et la fiction, qui s'appuie sur des recettes, somme toute, pas si différentes de Tintin ou Spirou, où ils se sont développés. Alors. Euh, Michel Tanguy, scénarisé par Jean-Michel Charlier, le scénariste infatigable, Le démon des Caraïbes, une histoire maritime d'aventure comme on en trouvait dans les autres journaux. Des séries plus humoristiques, un petit peu de publicité pour les enfants sages, et on voit bien que lorsqu'on s'adresse à des lecteurs pour le shampoing super moussant Dope, on les voit relativement jeunes, ces lecteurs du journal. Et puis, au détour d'une page du numéro 1, un petit personnage tout à fait inconnu, un Gaulois né par accident, puisque ce n'était pas le premier projet, Black et Mortimer non plus, ce n'était pas le premier projet d'Edgar Jacobs, un Gaulois pour équilibrer le journal, une série parmi d'autres réalisé par Uderzo et Goscinny qui ont déjà fait auparavant Umpapa papa le pot rouge et qui s'attendent à ce que le destin de Astérix et bientôt de Obélix soit assez comparable à celui d'Oumpa-Papa. Des séries didactiques bien proches des histoires de l'Oncle Paul du journal Spirou, beaucoup de textes, peu d'images et un caractère assez édifiant. Et puis une autre série de Jean-Michel Charlier que nous voyons là, à droite. À droite sur la photo, peut-être pas seulement sur l'écran, enfin peut-être pas seulement sur l'écran, mais sympathiquement de droite et évoluant peu à peu. Jacques II, Jacques Le Gall, homme de l'ombre, agent secret, aventurier, encore un jeune héros. Là aussi, on est dans la parfaite continuité des journaux qui ont précédé et donc la révolution n'est pas là. Par contre, le public est au rendez-vous tout de suite. Et Pilote, qui hésite encore à mettre de la bande dessinée en couverture, s'intitule très vite après une dizaine de numéros euh, un journal, vraiment le journal le plus branché, le grand magazine illustré des jeunes. Amusant le terme illustré, qui nous renvoie à la fois à une bande dessinée ancienne et à une notion d'illustration peut-être plus large que la bande dessinée et le plus grand garage du monde. Toutes ces voitures miniatures nous montrent bien que c'est plutôt à des garçons et plutôt à ces jeunes que l'on s'adresse. Certains parmi ceux qui s'occupent du journal pilote et qui ont la responsabilité de son financement hésitent un petit peu entre une sorte de salut les copains pour les petits. Et de vrais journaux de BD. On est plutôt du côté des pré-ados que des ados. Vous le voyez bien là encore dans la représentation. Notre cher Johnny Hallyday est là. Les jeunes devant la danse, grave question, ils sont de dos. Êtes-vous pour, êtes-vous contre notre enquête L'esprit de 68 n'est pas véritablement encore au rendez-vous. Et quelquefois, le, le journal s'enlise un peu dans ses premières années, 61, 62, 63. Il connaît quelques turbulences financières, se décide à miser quand même davantage sur la bande dessinée. Mais il ne suffit pas de se sous-titrer le magazine des jeunes de l'an 2000 pour être tout à fait à la page. Heureusement, il se passe quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui va créer autour de ce journal un élan, qui va permettre des développements exceptionnels. C'est que ce petit astérix, ce gauloir, ce gladiateur, celui qui fait le tour de Gaulle, celui qui rencontrera bientôt Cléopâtre, avec Obélix et tous les autres, celui qui défie Jules César sans la moindre crainte, il connaît un succès de plus en plus grand. Dans le journal d'abord, puis dans les albums. 6000 exemplaires pour le premier album, un peu plus du double pour le deuxième, et puis on double encore au troisième et très vite, vers 65, vers 66, c'est ce dont j'avais parlé dans la première conférence de ce cycle. Le phénomène astérix, le succès qui est là, qui est partout, les ventes qui explosent, les, tradu les traductions qui se multiplient, les adultes qui se penchent, l'express en tête sur. Le phénomène Astérix. Et donc, ce journal, qui accueillait des séries diverses et un peu toutes sur le même plan, tout d'un coup, ce journal bénéficie d'une notoriété extraordinaire. Alors, Uderzo, dessinateur si talentueux, si brillant, souvent si sous-estimé, et Goscinny, que l'on célèbre. On ne peut plus, on ne peut mieux, puisqu'il est au cœur encore pour l'instant de deux grandes expositions au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, à, à, à la Cinémathèque de Bercy, qui donne lieu à de très nombreuses publications. Goscinny, que l'on connaît de mieux en mieux, il nous a quittés assez tristement lors d'un test d'effort à l'automne 1977. Il pourrait encore être des nôtres autrement. Mais Goscinny, il est non seulement l'auteur d'Astérix. Mais celui d'une autre série vedette du journal, Lucky Luke, qu'il scénarise pour Maurice, avec de très grands succès là aussi. Il est l'auteur du Petit Nicolas et encore de pas mal d'autres choses. Et Goscinny trouve le temps, à côté de tout cela, de s'occuper vraiment, sérieusement, profondément et généreusement de ce journal. Il n'en a pas besoin, somme toute, maintenant que Pilote est devenu le journal d'Astérix et Obélix. Il pourrait, avec ses droits d'auteur, avec la représentation qui est exigée de lui pour accompagner le succès d'Astérix, avec bientôt des projets d'adaptation en dessin animé et de nombreux autres projets, il pourrait s'éloigner de ce journal. Mais il y a chez lui quelque chose qui le pousse à être un rédacteur en chef au sens le plus fort du terme, à recevoir des auteurs, à désirer renouveler ce langage de la bande dessinée, à encourager des auteurs qui partent quelquefois dans des voies beaucoup plus difficiles que la sienne, qui aborde d'autres genres, d'autres territoires, et qu'il va très habilement promouvoir. Alors bien sûr, il reste dans Pilote des séries plutôt traditionnelles, correspondant à l'idée qu'on se faisait, il y a peu encore, étant Tintin et dans Spirou et ailleurs, de ce qu'est un journal de bande dessinée. Achille Talon, Satire du français moyen, est une série véritablement tout public, même si, de temps en temps, Greg, scénariste talentueux de nombreuses séries réalistes en Belgique et animateur dans pilote de ce personnage drôlement gonflé, Greg lui même s'interroge avec Achille Talon sur la bande dessinée. Je vous lis ces bulles, que peut être vous ne pourriez pas lire, et c'est un thème qu'on va retrouver dans beaucoup de pages. On m'a posé on m'a, je crois, posé certaines questions. À la stupéfaction générale de tout un chacun sauf à la mienne, vous avez été nombreux à vous sentir au vu de la présente série aiguillonné par le virus titillant d'un apostolat commun quoique distingué celui de la bande dessinée. On croirait être dans la salle de conférence des arts et métiers. Un apostolat commun quoique distingué celui de la bande dessinée. Problèmes, angoisses, questions et désarrois, troubles. Ha, ha, ha. Et donc Achille Talon va nous expliquer dans plusieurs pages ce qu'est le phylactère, comment fonctionne la page, évidemment, jouer avec ces codes de la bande dessinée. D'autres se sont affranchis des références, en l'occurrence de celles de Jigé, et ont su mettre au point un grand western brillant, avec l'indispensable Charlier qui veille au grain, et Jean Giraud. Qui s'inspire évidemment du western cinématographique et qui arrive à côté de Lucky Luke à proposer le contrepoint réaliste du monde de l'Ouest, à densifier le personnage de Blueberry, à lui donner, non pas comme Tintin, Black et Mortimer ou Spirou, une simple forme de récurrence qui est un recommencement aussi, mais à le construire comme un personnage romanesque ayant son histoire, vieillissant, prenant des coups qui le marquent, qui lui restent rencontrant des gens qui lui restent fidèles et d'autres qu'il laisse sur sa route, abordant la violence, abordant aussi des thèmes réalistes de l'Ouest et pas simplement mythologiques. Lucky Luke aussi, disons-le au passage, même si je glisse un peu vite sur Lucky Luke, Lucky Luke aussi est une série extrêmement documentée et nourrie de références par un Maurice dont nous avions vu l'autre fois qu'il avait séjourné non seulement aux États-Unis mais au Mexique dans sa jeunesse. Mais Gossini... C'est repérer des talents égarés ici, celui de Fred, Othon Aristides, un dessinateur qui travaillait surtout pour des caricatures, des illustrations dans Harakiri, qui n'y était pas très à l'aise, qui est avant tout un rêveur, un poète, un imaginatif pur, avec un dessin très affranchi des règles classiques, très affranchi de l'anatomie et de la perspective. Il vient voir Gossini, il lui montre des pages. Goscinny lui demande la suite. Fred la raconte, improvise. Gossini est séduit et il n'aura de cesse que d'imposer le travail de Fred et notamment la série Philémon, ce voyage d'un ingénu dans le monde des lettres de l'océan Atlantique, consacrant chaque album à une lettre qui est un monde. Gossini n'aura de cesse que de l'imposer, le faire connaître. Il avait une règle implicite mais assez forte que beaucoup d'éditeurs pourraient méditer encore aujourd'hui, qui était que chaque année, il avait comme défi, comme contrainte d'imposer un nouvel auteur, de l'accompagner très fortement. Aujourd'hui, vous savez, des albums paraissent par centaines, plutôt par milliers. Ils vivent leur vie tant bien que mal. Alors que là, par le journal... On acclimatait le lecteur, on le lui faisait connaître, on créait une interview, une illustration. Et petit à petit, ce personnage ou ce style graphique insolite appartenait au journal, s'y incorporait. Et Goscinny, à ce moment-là, sentait qu'il pouvait accueillir un nouveau talent bizarre. Point trop de nouveautés à la fois, point trop de bizarreries, mais chacun de ceux qu'on accueillait, on essayait de le faire émerger. C'est peut-être ce que certains, en tout cas dans les auteurs les plus âgés du monde de la bande dessinée, peuvent considérer comme une forme d'âge d'or que cet accompagnement éditorial. Mais peut-être aussi, cette forme d'accompagnement éditorial est-elle irrémédiablement liée au monde de la presse plus qu'à celui du livre. La presse, c'était un apprentissage, lent, un style que peut-être l'on n'aimait pas, dont on n'était pas familier, et puis auquel on s'habituait, et puis on achetait un premier album, et on devenait... Peu à peu, infidèle. Et on pouvait se lancer, une fois que le personnage était apprécié, accepté, on pouvait se lancer dans un journal grand public, dans de la sémiologie joyeuse, insouciante, humoristique et maligne. On pouvait jouer avec le médium sans le faire de manière désenchantée. On pouvait créer de la poésie à partir de la bande dessinée elle-même. Et puis le journal n'était pas qu'un journal de bande dessinée, il rayonnait sur d'autres mondes. On est en pleine gloire. Des yéyés, des chanteurs, de nouveaux chanteurs. Il y a une amitié qui se crée entre Jacques Dutronc, alors au fait de sa gloire, et Fred. Ils collaborent plusieurs fois ils écrivent des chansons. Fred écrit quelques jolies chansons sophistiquées. Une particulièrement simplette, juste pour rire, juste pour voir. Le fond de l'air est frais, la IO, la IO, et c'est le tube, c'est le grand succès. Et puis, on propose le sceptre, une bande dessinée de Fred, racontée et chantée par Jacques Dutronc. On n'a pas peur d'afficher la bande dessinée sur la pochette du disque. Voilà, il y a là un univers joyeux, frais, un lectorat qui est en train de changer, qui n'est plus que simplement celui des enfants, qui est devenu celui des adolescents, un journal. Que les parents commencent à lire avec plus d'intérêt maintenant que le succès d'Astérix est là. Alors, ce public est prêt à de nouvelles expériences, il est prêt à essayer des choses. Et lorsqu'il voit les premières pages d'un certain Philippe Druillet qui a publié un album chez Eric Losfeld, assez confidentiellement, un album encore rempli de maladresse, Cossini se dit C'est pas mon genre cette bande dessinée, j'aime pas trop ça. Mais c'est quand même vraiment nouveau, c'est quand même vraiment un autre univers, une autre expérience graphique. Il faut le publier, il faut lui donner sa chance. Et le jeune Philippe Drouillet, on va l'accompagner, on va faire éclore ce talent. Et évidemment, tous les autres auteurs du journal voient ces planches, sont secoués, et se disent, mais pourquoi continuer à diviser nos pages orthogonalement Pourquoi faire de la science-fiction aussi sage Et peut-être pourrait-on se permettre... Quelques audaces n'y a-t-il pas, ça et là, dans les bords des pages de Philippe de Ruillet, quelques sexes masculins qui se cachent dans les décors On devrait peut-être essayer des choses, on devrait peut-être faire nous aussi des petites provocations pour voir jusqu'où ça passe, jusqu'où ça marche. Et puis, il y a Marcel Gottlieb, Marcel Gottlieb qui est nourri par la culture de Mad. Exactement comme Goscinny, ils se retrouvent là-dessus, même si leurs rapports sont assez distants. Goscinny vous voit tout le monde. On est là entre personnes de bonne compagnie, il est le patron, c'est indiscutable, il reçoit dans son bureau, courtoisement, il ne faut pas trop discuter les prix de page, mais ils sont corrects, chacun peut vivre. Et quand il est séduit par un auteur, généralement, il l'accompagne dans la durée. Alors, Gottlieb, qui a démarré sur des scénarios de Goscinny, peu à peu prend ses ailes et crée ses propres séries, dont l'extraordinaire rubrique à braque qui marquera plusieurs générations. Vous voyez, Fred, Druillet, Gottlieb, ce sont des choses très différentes. On sent qu'on est en train de monter vers quelque chose de plus adulte, mais Astérix, bien sûr, est toujours là. Et le lecteur s'y retrouve très bien. Et puis, encore un autre. Jeune qui publie plutôt dans la presse politique un certain Cabu qui arrive avec le grand du duche. Des histoires de lycée, de proviseurs, de filles, de timidité. Des histoires où on commence à secouer un peu l'institution scolaire, à contester un petit peu, gentiment. Et tout cela entre dans le journal petit à petit. Ah, quelle belle année 1968 qui commence. Les Jeux Olympiques de Grenoble, février. Voilà le journal d'Astérix et Obélix qui salue les Jeux Olympiques et Astérix qui emboîte le pas la semaine suivante. Et ça y est, on est parti pour les Jeux Olympiques. Le journal a l'air d'être là dans cette continuité bon enfant où des petites graines de révolte peuvent être instillées, des petites graines de différence dans un monde somme toute assez sage et assez stable et avec des auteurs assez polis et respectueux. Et Goscinny veille sur tout son petit monde, toujours angoissé, malgré le succès, par le prochain scénario, le prochain Lucky Luke, le prochain Astérix. Mon Dieu, je n'ai pas d'idée. Il tourne en rond. Cette fois, c'est fini, je ne trouverai pas, je suis nul, je suis incapable. Et puis tout d'un coup, l'idée jaillit, et ça y est, sur la machine à écrire, rapidement, mais précisément, il tape les descriptions et les dialogues, puis prolonge la conversation avec Uderzo et le duo continue à fonctionner à merveille. Il y a maintenant toute une équipe à pilote. À la fin des années 60, il y a même une femme. Extraordinaire, une femme dans le monde de la bande dessinée. Mon Dieu, que se passe-t-il Mais vraiment, la société bouge. Change et il y en a même un là au premier rang à côté de Goscinny qui a des cheveux longs. Jean Giraud s'est laissé pousser les cheveux. Charlier est un peu inquiet de son évolution. Jean Giraud commence à se dire qu'il va pas faire du western toute sa vie. Et puis les voilà, sinon les mandricards, les, Mandrica, les, les Gotlib, les tabaris. Charlier un peu sage sur le côté à côté des chevelus et des barbus. La réalité est un peu moins souriante. C'est un épisode connu, mais important et fondateur, sinon fondamental. Un jour, en plein mai 68, je ne sais plus si c'est le 21 ou le 22 mai, dans un café de la rue des Pyramides, une sorte de syndicat d'auteurs autoconstitués veut convoquer les patrons de différentes maisons. On appelle Goscinny, qui est à Neuilly. Non pas parce qu'il habiterait à Neuilly, mais parce qu'il est dans les locaux de Dargaud à ce moment-là. Il n'y a pas de transport en commun et Bagosidi, dit, comme on l'appelle, et comme c'est un patron de presse consciencieux, il vient à pied jusqu'à la rue des Pyramides pour cette réunion. De tous les patrons de presse ou de maisons d'édition de l'époque, il est le seul à être venu. Et il se trouve pris au piège. Il se trouve pris devant un tribunal révolutionnaire ou plusieurs. La mémoire varie, il y a un livre qui a été consacré à ce sujet, la révolution pilote, où on interroge les témoins Brétéché, Gottlieb, Druillet, Giraud à partir d'une interview ancienne, puisqu'il était déjà décédé, Claire Brétéché. On les interroge tous sur ce qui s'est passé ce jour-là et qui va marquer un tournant, qui va marquer une rupture. Que reproche-t-on somme toute le plus, à Gossini? Peut-être d'avoir du succès, sans doute de gagner beaucoup d'argent. Mais plus encore, et c'est un peu plus triste, euh, de toujours porter un costume cravate, généralement avec un gilet, ce qui est le signe exact d'un grand patron, d'être, somme toute, au sein du journal pilote, euh, ce que le général de Gaulle est au sein de la France. Quelqu'un qu'il faut dégommer, quelqu'un dont il faut se débarrasser, enfin le, le grand capital, le, 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 le pouvoir. Le, le cigné qui a vu grandir euh, tous ses talents, qui les a accompagnés, qui certes a toujours maintenu ses distances. Sort de la réunion absolument blême. En fait, il n'a rien répondu devant ce tribunal improvisé, il ne s'attendait pas à cela. Et quelque chose se casse à tout jamais dans ce rapport avec les autres dessinateurs et bientôt dessinatrices qui sont dans le journal. Alors, comme l'on sait que Jean Giraud, bientôt meubius, était un des plus virulents à cette réunion, il l'a reconnu lui-même avec regret. C'est avec. Euh, un peu d'ironie triste que l'on peut lire, cette couverture de Blueberry qui achève l'année 1968. Blueberry sauvera-t-il son tortionnaire Qui est le tortionnaire en l'occurrence Je m'interromps, je reviendrai à Pilote un peu plus tard. Pilote n'était pas seul. Quand on raconte ces années-là, on a tendance à penser que Pilote, entre disons... Euh, 59 et 79, c'est la bande dessinée. Ou au moins 75. Non, il y a eu d'autres tentatives. Par exemple, Forrest qui a travaillé à Chouchou, un journal de très grand format et malgré son nom un peu ridicule, de grande qualité. Il y a commencé lui-même Les Naufragés du temps avec Paul Gillon, une très belle série. Mais Chouchou n'a pas pu s'imposer. Peut-être son format ne le lui permet-il pas. Par contre, une revue qui est très importante et qui mérite mieux que le gadget de surprise qui l'accompagnait, en tout cas qui mérite d'entrer dans l'histoire de la bande dessinée pour autre chose que ses sauteurs, c'est Pif. Pif qui a prolongé Vaillant, dont nous avons déjà parlé, mais Pif, qui est un vrai hebdomadaire de bande dessinée, tout en récit complet, c'est important. Pilote contient beaucoup de feuilletons. Et Pif émanation du parti communiste réussit à être un journal très ouvert et très éclectique et assez drôle. ce n'est pas un journal où le poids idéologique est trop lourd, contrairement à ce qui se passait dans vaillant. alors, il y a gelluron de gottlieb avec ce personnage toujours joyeux, amoureux et heureux. c'est déjà le flower power avant la lettre. Il y a Mandrika et son concombre masqué, une série quand même passablement avant-gardiste et quelque peu surréaliste qui est là avec son humour étrange. Mandrika est aussi dans Pilote. Elle aime le magicien de Mattioli, encore une série un peu expérimentale aujourd'hui admirée par énormément d'auteurs de la jeune génération comme Jean-Christophe Menu. Et puis il y a un peu plus traditionnel et nettement plus musclé j'espère idéologiquement très solide, porteur de valeurs positives, Raon. Alors voilà Raon et ses anatomies, un Tarzan à la française, bientôt en couleur, avec le talent de Chéret, qui le rendra immensément populaire et qui fera même à un moment qu'il aura son propre magazine. Il y aura à côté de Pif Gadget le magazine de Raon. Et puis euh, un ovni qui atterrit dans Pif Gadget au moment où un certain Jean-Paul bougin en a repris la rédaction en chef, et c'est OVNI, c'est Corto Maltese. Des récits d'une de, vingtaine de pages, des personnages qui a commencé sa carrière en Italie, un auteur qui a eu un très long parcours, nous l'avons déjà évoqué, je reviendrai dessus le mois prochain, et Corto Maltese n'enthousiasme pas les lecteurs de Pif le chien. Il y a pas mal de lettres pour dire quand même c'est bien, on aime bien Pif, mais ce corto maltaise en noir et blanc, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est de drôle. Ce sont de drôles d'histoires. Mais enfin bon, le journal tient bon et publie une vingtaine de récits complets d'une vingtaine de pages. À la même époque, il y a aussi un mensuel issu d'Arakiri et qui sera l'un des premiers à établir des ponts entre l'histoire de la bande dessinée, entre la bande dessinée américaine et la bande dessinée francophone. Affiché vers 1969, Les Peanuts en couverture, c'est un geste un peu étrange, c'est une série qui est déjà mondialement connue, qu'il est moins en France qu'ailleurs, et que celui qui va devenir bientôt rédacteur en chef, et qui continue à nous manquer, Georges Wolinsky dirige avec énormément de talent plusieurs années durant. Volinsky auteur lui-même, dessinateur, scénariste, amoureux de la bande dessinée, l'un des premiers, par exemple, à avoir parlé de Topfer, Volinsky eh va mélanger dans le journal de l'ancien et du nouveau, de l'apparemment bien reçu, déjà classique, pas si connu que ça, et de l'innovant pur. Et donc Charlie mensuel ici à gauche Herriman, à droite Crépax, deux couvertures magnifiques, des couvertures de graphistes des couvertures fortes où on croit à l'image, on croit à la sobriété. Pas besoin d'annoncer tous les auteurs qu'il y a dans le numéro. Un geste graphique puissant, des couleurs pures. Eh bien voilà, on peut passer de Crazy Cat de Herriman aux audaces de Crépax et trouver un public qui est celui qui commence à se pencher sur la bande dessinée, qui commence à aimer le médium, ce public que j'avais évoqué dans la première conférence, des premiers érudits, des premiers passionnés. Et puis eh bien comme la bande dessinée veut aller vers l'âge adulte, la première façon d'aller vers l'âge adulte, c'est bien sûr d'introduire de la sexualité dans un médium longtemps désérotisé et c'est le cas notamment avec Paulette de Pichard et Volinsky. Personnage féminin consistant, personnage féminin généreux, je ne sais pas comment aujourd'hui nous pouvons le lire, mais en tout cas à ce moment-là, à côté de Spirou, de Tintin, de Pilote, de Pif le Chien, ça doit faire plaisir dans un journal de BD de voir quelques nudités et quelques audaces sexuelles. Et puis, avec Wolinski, on va chercher aussi. Du côté de l'Italie, car Charlie Mansuel est très lié à la revue italienne Linus, Crépax, bien sûr, mais cet auteur un peu oublié aujourd'hui, un maître du noir et blanc, qui a influencé beaucoup, beaucoup d'auteurs, beaucoup de dessinateurs, peut-être plus que de lecteurs, qui est Guido Buzzelli, euh, l'auteur notamment de La Révolte des Ratés. Un noir et blanc charbonneux, fouillé, un dessin difficile, des récits parfois labyrinthiques. Mais qui impressionne énormément d'auteurs et les encourage à partir vers leurs propres audaces. Charlie, c'est aussi Munoz et Sampaio, à leur oui. début, des auteurs qu'on connaît davantage pour l'époque à suivre, mais c'est dans Charlie, toujours avec de superbes couvertures, d'une extrême pureté graphique, une ligne graphique extrêmement établie, c'est là que ces grands auteurs argentins commencent à se faire connaître. Revenons à Pilote. La crise est passée et le journal a bougé. Et de la même façon que le gouvernement français, déboussolé après mai 68, invente très rapidement pendant l'été l'université de Vincennes comme une soupape pour libérer des énergies et permettre à des étudiants excédés par l'ancienne Sorbonne et l'appareil universitaire de tenter des expériences et bien de la même façon Goscinny qu'on voit ici jouant avec Charlier et quelques autres dans un roman photo mis en scène par Meubius, Jean Giraud vous voyez que on met un petit chapeau sur la la rancune, même si l'affaire n'est pas tout à fait passée, et eh bien Goscinny a l'idée de lancer des pages d'actualité et puis des réunions d'équipes hebdomadaires. Jusqu'à présent, les dessinateurs travaillaient tous dans leur coin, à leur façon, chacun soucieux de rendre ses pages au bon moment. Et eh bien là, on se dit, non, non, un vrai journal, c'est un esprit de rédaction. Alors les chers auteurs, nous allons hebdomadairement nous réunir et nous allons évoquer cette actualité qui vous est chère et que vous pourrez traiter. On a parfois idéalisé ces réunions de rédaction. Beaucoup disent que c'était l'horreur. Goscinny était là, à un bout de la table. Il gardait sa cravate et son costume. Il prenait des notes. Alors, Fred, a-t-on une idée cette semaine Et vous, Cabu qu Alors, quelques-uns. Cabur, Ezer, GB venaient déjà de la presse d'actualité, bretéchés un petit peu. Alors ils avaient un peu plus d'idées que les autres. Et oui, on pourrait parler de cette grève qui. Oui, oui, vous en feriez quoi Deux pages Deux pages Bon, deux pages pour mardi. Et voilà comment ces réunions se déroulaient et beaucoup ceux qui, comme Fred ou quelques autres, étaient plutôt du côté de la poésie ou comme Druillet, du côté de l'imaginaire pur, attendaient que ça se passe espérait qu'on n'ait pas besoin d'eux. Comme quelquefois on manquait de dessins, Cosini avait inventé de payer plus cher ces pages d'actualité. Elles étaient réalisées pour le journal, spécifiquement pour le journal. Elles ne donneraient pas forcément lieu à un album. C'était une assez bonne idée, mais finalement tout cela n'a pas débouché sur grand-chose et on se souvient assez peu de ces pages d'actualité, même si les plus grands auteurs y ont participé. Ce dont on se souvient, c'est de la place grandissante prise par Claire Bretéché, imaginez dans cette rédaction masculine, le charme, l'humour, le talent de Claire Bretéché ne devait pas laisser indifférent, c'est un peu comme dans la chanson d'Yves Montand à bicyclette, ils étaient tous amoureux d'elle, mais son talent, d'abord discret, peu à peu s'impose, et on voit en elle une caricaturiste admirable une sociologue par le dessin capable de croquer l'époque pas plus sympathisante que ça avec mai 68 et ce qui en était sorti mais très capable de décrire avec ironie y compris sans parole les moments les mouvements de la société on sait que c'est quand elle passera en 1973 au nouvel observateur avec les frustrés qu'elle atteindra un immense succès, que même les gens qui détestent la bande dessinée liront, que chacun la commentera sans avoir l'impression d'échoir, mais pour l'instant, elle est encore à pilote. Et timidement, doucement, vont arriver d'autres fables. On y va là doucement. Hein. Il faut dire qu'il n'y a pas eu tellement de tradition de la pratique de la bande dessinée. Généralement, les revues de bande dessinée étaient plutôt faites pour les garçons et donc les vocations venaient aussi plutôt d'hommes. Mais Annie Götzinger, qui nous a quittés tout récemment, est une de celles qui est entrée dans Pilote et y a développé, seule ou avec le grand scénariste Pierre Christin, plusieurs histoires d'une grande sensibilité. Pilote n'est plus... Le magazine des jeunes de l'an 2000, ce n'est plus le journal d'Astérix et Obélix. Il est devenu un peu de mauvais goût d'afficher un succès qui ne cesse de grandir. C'est le journal qui s'amuse à réfléchir. C'est pas mal, finalement. C'est une définition sympathique. Et donc, on peut y accueillir, sur fond rose, quelques peuples psychédéliques, quelques éléphants bleus. On peut aussi y accueillir une girafe. Même si Gottlieb nous l'apprend, faire entrer une girafe dans une page de bande dessinée n'est pas une mince affaire. C'est évidemment un problème, les cases verticales s'imposent et donc c'est un des jeux sur le médium les plus remarquables qui soient, dans un ton un peu différent de celui de Fred et de son chien géant. Ici, cette girafe... Restera une façon de montrer que jouer avec le médium, ce n'est pas forcément pontifier. Rezer, aussi, intervient régulièrement et nous apprend des choses importantes. Enfin, Genève, matin à travers lui, le Père Noël a été arrêté il livrait des armes à l'Afrique du Sud. Donc là, on entre vraiment dans quelque chose de plus franchement impertinent, de plus rude, de plus strictement politique. Mais ça passe, et puis on peut se moquer des vieux héros d'hier, à commencer par Tarzan. Vous voyez que le style graphique est aux antipodes de ce qu'il y avait au début, mais il a fallu toutes ces approches, même celle de Grec, celle de Fred, l'évolution du dessin de Giraud, les pages de Druillet, puis de Bretéché, pour que peu à peu, des styles graphiques qui auraient semblé absolument impossibles, inacceptables, des pages sans aucune délimitation entre les cases puissent entrer dans le journal. Mandrika aussi, qui est parfois à pif et parfois à pilote, participe de cet esprit, de cette effervescence, de ce jeu très libre avec le, le médium. Et puis, tout comme avec Fred, il y avait eu la rencontre avec Dutron et une manière de déborder le monde de la bande dessinée. Ben, la popularité de Pilote est telle que tous les dimanches de 11h30 à 13h sur Europe, matin. Europe 1. Sur Europe 1, on a le feu de camp du dimanche matin animé par des auteurs du journal. Et donc, euh, c'est une expérience à laquelle participent Gottlieb, euh, Gossini, Fred et quelques autres. On les voit même, Dieu leur pardonne, se moquer de l'Académie française. Vous voyez ici en bas. Oh « Ô vous qu'attire notre flamme !» Et bien sûr, l'Académie française, débarrassée de ses vieux bons surannés, va connaître un regain de prestige en la personne de quelques immortels. Goscinny n'a pas fait partie de l'Académie française, il n'a pas eu le temps, et peut-être en mieux pour lui. On accueille encore des jeunes, des nouveaux, des innovateurs. Peut-être ne reconnaissez-vous pas instantanément le style de ce jeune homme venu dans son enfance de Belgrade, qui a grandi dans une banlieue, qui a lu et décortiqué Pilote passionnément, et qui vient tout timidement apporter ses planches, il s'appelle Enki Bilal, et il fera du chemin. Un autre vient aussi et ne s'intégrera pas tout à fait, c'est Jacques Tardy. Il aime à la fois la bande dessinée classique et les innovations, il vient montrer ses pages, adieu Dieu d'avoine, ça n'a pas un immense succès, mais enfin ça y est. Il est là, il a un pied dans la profession. Et il fait partie de la légende de Pilote, comme tant d'autres que je ne cite pas, que je ne citerai pas, mais qui ont à un moment publié dans ce journal. Giraud, qui avait été l'un des plus agités à la Réunion de Mai 68, a beaucoup cheminé. Il a été très très secoué par Mai 68, lui qui avait quand même produit ses pages presque d'un artisanat à juger, avec un dessin extrêmement fouillé. Il rêve vraiment d'autre chose. Et il sent que les temps sont mûrs. Il a été sidéré, et ébloui par le travail de Philippe Drouillet. Il est attentif à tout ce qui se passe autour de lui. C'est une éponge comme beaucoup de grands artistes. Et le voilà en 1973 qui propose et obtient même la couverture pour un voyage complètement dingue. Ce voyage complètement dingue, c'est la déviation. Première histoire courte de Meubieux, ça démarre sur la route des vacances. Dans le quotidien, Jean Giraud, avec ses cheveux longs, s'y représente à côté de son épouse dans la bagnole. Ils partent, ils sont dans les embouteillages, ils prennent une route latérale, une déviation. Et voilà que tout va basculer, que tout va se défaire et que le dessin lui-même. Part dans des directions absolument nouvelles, avec de nouveaux instruments. Blueberry est fait au pinceau. Ces pages sont dessinées au rotring, avec un trait beaucoup plus sec, beaucoup plus fin. Énormément de détails. Une possibilité de sauter d'un monde à l'autre, d'une case à l'autre. Une possibilité, comme vous l'avez vu, de se représenter soi-même assez réalistement. D'avoir beaucoup de textes quand on veut en avoir beaucoup, pas du tout quand on n'en a pas besoin. Bref. La révolution de la bande dessinée est en marche. Mais cette révolution se fera-t-elle à pilote Ce n'est pas sûr. Car Goscinny, comme le général de Gaulle, a ses humeurs et ses limites. Il n'organise pas de référendum. Mais enfin, de temps en temps, trop, c'est trop. Et un jour, Mandrika lui apporte une histoire, peut-être marquée par la déviation de Bubus, dont c'est un peu avant. Une enfin, histoire, elle aussi, assez radicale, et, pilote, et, et Goscinny dit non, 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 c'est pas possible, les lecteurs ne suivront pas. Mandrika, confirmé dans l'idée que les grands patrons sont décidément euh, l'expression même du pouvoir le plus arbitraire, prend ses clics et ses claques, mobilise Gottlieb et Bretéché, et les voilà partis pour fonder un journal, bon, pas un hebdomadaire, pas un mensuel, on n'a pas assez de sous. Un trimestriel, mais un trimestriel où on vous foutrait vraiment la paix, un trimestriel où on serait chez nous, où il y a plus de patrons, on le gère tous les trois et puis quelques amis qui viendront, un trimestriel où on va pouvoir dessiner des fesses et des bites et un peu de catalogie si on en a envie et des histoires qui ne riment à rien si on en a envie sans personne qui vient vous expliquer pourquoi ça ne marche pas et puis on va trouver des lecteurs parce que parce qu'on est là en 1972 parce que c'est le bon moment. Et puis ça se passe aux États-Unis, un peu partout. Alors, Gottlieb, si j'ose dire, un joli matin tout plein de lumière, se lâche. Et Mandrika nous donne son histoire sans titre, cette histoire de onze pages, refusée par l'infâme Goscinny, qui a de plus en plus de succès en plus et qui se termine par cette page. Bon, je ne vous montre que la première et la dernière, qui se termine par cette page du personnage contemplatif qui est là devant un jardin zen. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais Rien. Je regarde pousser les rochers. C'est la phrase qui avait évidemment un peu agacé Goscinny. Mandrika, euh, passionné de psychanalyse, spectateur assidu du séminaire de Jacques Lacan, avait, aux yeux de plusieurs de ses collègues, dépassé les bordées. Pourtant, cette histoire fait partie aujourd'hui des classiques de la nouvelle bande dessinée. Et cette phrase, beaucoup d'auteurs peuvent la citer à rien. Je regarde pousser les rochers. Brusquement, c'est l'irruption aussi d'une forme de poésie d'une forme de minimalisme voire d'une forme de philosophie d'art de vivre qui entre là c'est une façon surtout de se dire qu'il n'y a pas de raison de se laisser imposer des limites et que la bande dessinée n'est pas obligée d'osciller entre l'humour et l'aventure l'humour et l'aventure étaient quand même les deux ressorts principaux même des plus ouverts puis on peut s'amuser un peu faire des couvertures un peu provocatrices on peut s'auto représenter voilà nos trois héros alors là, on peut dire que c'est un journal où quand même les animateurs et principaux auteurs n'ont pas peur d'être présents. Bretechet, Mandrika et Gottlieb. Pour l'instant, on s'amuse bien, on s'autogère. On conçoit un journal réservé aux adultes accompagnés de leurs parents. Et on multiplie les expériences. Mais pourtant, parfois, on discute, on se brouille. Et on ne sait trop pourquoi, on décide de faire un autre journal. Donc, euh, Gottlieb, on ne sait pas trop sur quoi il n'était pas d'accord, mais il dit non, 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 ça ne va pas. Là, à trois, vous savez, c'est un peu comme les groupes trotskistes, dès qu'ils sont trois, il y a une fracture et un groupuscule, une tendance qui se crée. Et là, donc, il y a eu une tendance qui s'est créée et création de fluide glacial. Bon, l'écho des savanes, fluide glacial, vous voyez bien qu'on reste un peu dans le même. Registre, Alexis et Gottlieb nous proposent ensemble, Alexis, qui est un dessinateur remarquable dans la lignée de Gottlieb et qui est mort à 31 ans, nous propose une histoire en ouverture qui a quelques continuités sur le plan de la thématique. Je n'insisterai pas trop, l'histoire est un peu longue, je vous ai épargné les pages les plus rudes. Nous, 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 nous propose une thématique. Joyeusement scatologique. Dans Fluide Glacial, on va créer aussi beaucoup de romans photos parodiques et Gottlieb paye de sa personne. C'est drôle un moment, on peut trouver ça un peu moins drôle après quelques numéros, mais enfin, Bruno Léandri, puisque c'en est le responsable principal, continue depuis très longtemps ses BD romans photos. Et puis, il y a dans Fluide Glacial, au début, un grand, un très grand, un homme de la tradition qui arrive, qui revient. Franquin on avait marre de Spirou et Fantasio, il en a eu même marre de Gaston, il en a eu marre de Dupuis. Lui aussi, il hésite entre plusieurs mondes, un peu comme Giraud qui avait son monde Blueberry et son, son versant Meubius. Franquin, sans changer de nom, broie du noir, modifie son dessin et réalise ses pages des idées noires dont plusieurs sont de purs chefs-d'œuvre. Un dessin noir, certes, mais qui sait ménager une large place au blanc, un dessin d'une lisibilité absolue, et des thèmes abominables. Tous ces personnages qui font la file, qui patientent, qui attendent leur tour, sans savoir que ce sont des guillotines qui sont installées les unes derrière les autres, ou celles-ci que l'on pourrait envoyer à... Quelques présidents américains. Il ne faut pas, nous dit Franquin en haut de la page, il ne faut pas confondre forme de l'univers et vers de l'uniforme. Et donc, ce sont des grenades, c'est la terre elle-même que l'on tire. Avec le petit dans la signature, le petit au secours. Découverte ou soutien à des nouveaux talents, des auteurs difficiles, explorant des mondes qui ne sont pas forcément érotiques ou scatologiques ou politiques, qui sont simplement des mondes bizarres avec un dessin très libre. Ici, Francis Mas, très grand dessinateur, très grande figure, un peu trop oublié. Et puis, peu à peu, dans Fluide glacial, à côté d'un humour un peu potache qui peut lasser quand on n'a plus tout à fait 17 ans. De très grands auteurs, de très grands dessinateurs, à commencer par Gossens et sa série Georges et Louis, qui est venue après bien d'autres séries, l'Encyclopédie des bébés, etc. Série tout à fait remarquable, d'un humour décalé, bizarre, littéraire. Georges et Louis sont des romanciers qui, ensemble, tels de nouveau bois le jacques ou Hermann Chatrian, se lancent dans des projets qui vont être des succès extraordinaires. Qu'ils imaginent, que nous visualisons et qui, évidemment, tournent les uns après les autres à la catastrophe. Mais on ne peut pas oublier la revue, peut-être la plus tapageuse du moment, la revue qui a secoué au moins autant que Pilote et plus profondément que l'écho au flux glacial, c'est bien sûr Métal Hurlant. À gauche, sur la photo, M. Farkas, qui sera un temps en le gestionnaire de la bande et qui va essayer d'encadrer trois Beatles ou trois Rolling Stones incontrôlables. Le très fluet et toujours bien vivant, Jean-Pierre Dionnet, toujours aussi fluet. Philippe Druillet, qui n'est plus barbu, mais qui est plus ample encore, et toujours bien vivant, malgré quelques excès. Et Jean Giraud, Dit Mebius, et ici plutôt Meubius, qui hélas n'est plus des nôtres, mais qui est l'un de ceux qui a le plus fait bouger le médium bande dessinée. Et voilà, là, saisi, au moment innocent de la fondation d'un trimestriel. Ben ah oui, là aussi un trimestriel, parce qu'un mensuel c'est difficile et un hebdomadaire c'est ruineux. Voilà, Métal Hurlant, la revue de la liberté graphique. La revue des liens avec des mondes nouveaux, des mondes venus de la science-fiction, du nouveau cinéma américain, de la musique, du rock. Une revue où tout va être possible. Les humanoïdes associés, comme ils se nomment, Drouillet, Meubius, Dionnet, Farkas, le 19 décembre 1974, à 4 h du matin, heure locale, aux limites de l'Ivry-Gargan et de la forêt de Clichy, enfin réunis ont décidé, à l'unanimité, de ne plus répondre qu'au seul nom collectif de les humanoïdes associés. De sortir tous les trois mois un magazine de science-fiction en bande dessinée où ils étaleraient complaisamment leur fantasme putride, celui-là même que vous tenez entre vos mains gercé ou manucuré, nous annonce Jean-Pierre Dionnet. Druillet est évidemment l'un des piliers dans une sorte de Rivalité étrange et amicale avec Moebius, Mebius l'éponge, Moebius qui lui a pris une partie de ce qui est son vocabulaire graphique, une partie de ses thèmes, la science-fiction, mais Mebius qui sait toujours inventer et transformer ce qu'il reçoit. Médruillet qui va livrer, après un deuil, après la mort d'un cancer de sa femme, un de ses albums les plus puissants et les plus forts, les plus terribles. La nuit. C'est un album où véritablement tout est possible. Il n'a plus de limites. Il est si loin dans sa propre vie, si enfoncé dans la dépression. Il a peut-être absorbé tant de choses et passé tant de nuits blanches qu'il n'y a pas de raison cette fois de limiter son vertige graphique. Druillet qui donnera encore dans métal hurlant l'immense saga de Salambo. Scrupuleusement adapté de Flaubert, qui ne souhaitait aucune illustration et qui aurait été quelque peu surpris. Le texte de Flaubert est plat, enfin en tout cas une bonne partie. Quant au dessin, il explose dans tous les sens, mais après tout, Salambo avait son propre baroque. Mais c'est tout de même Meubius, à côté de Bilal, de Tardy, de Corben, de Masse et de quelques autres noms qu'on a cités ou pas encore cités, c'est tout de même Mebius, le centre, le roi, le maître, je n'oserais dire le nouveau Gossini, dans ce magazine qui va bientôt devenir bimestriel puis mensuel. Et c'est Mebius qui ébahit tout le monde avec ce feuilleton imprévisible, ce feuilleton qui change de style graphique, qui change de narration, le garage hermétique de Jerry Cornelius, avec un style... Chaque fois plus inventif, capable d'être très fouillé, et puis la page d'après très léger, très pur, de partir dans les mondes les plus fous, puisque mois après mois, Mobius n'a pas la moindre idée des deux pages qui suivront, et ses lecteurs non plus, et le feuilleton devient davantage l'attente de la création, l'attente du geste créatif, que l'attente de la suite de l'histoire. Quelle nouvelle surprise! Nous réserve-t-il Quelle nouvelle liberté va-t-il prendre Quel risque narratif sera le sien Et puis ce trait, ce trait qui a été atteint de la grâce, ce trait qui s'est libéré pratiquement de toute contrainte et qui, en ce milieu des années 70, laisse ébahis tous ses confrères. Et il est aussi à l'aise dans la couleur. Dans le noir et blanc. Et lui qui a subi le verbe quelque peu pléthorique parfois de Jean-Michel Charlier est tout heureux de faire un album entier sans un seul mot, une narration muette et pourtant parfaitement fluide. Arzac, quatre récits, quatre orthographes différentes à chaque fois pour le titre, quatre variations sur la quête d'un chevalier de l'espace dans un monde étrange confronté à une nature proliférante. Et à une technologie tantôt régressive, tantôt futuriste. Une nouvelle forme de science-fiction qui, qui éblouit jusqu'à Hollywood, qui éblouit un peu partout à travers le monde, car Metal Hurlant bien vite aura une édition américaine, Heavy Metal, et puis comme même en français, on laisse traîner sur les tables des art directors et des décorateurs, un peu partout à travers le monde, des exemplaires de Metal Hurlant. Ce n'est pas simplement. Le style de, de Mézières, celui de Dorvillers, celui de, de, de Mebius qui seront imités, c'est tant d'autres styles un peu partout à travers le monde. Il faut dire que Meubius lui-même a approché de très près le cinéma. Le voici aux côtés d'un réalisateur chilien, virtuose, qui s'est lancé dans une adaptation réputée impossible, celle du roman d'une. Alexandre, Alejandro Chodorowski, grand lecteur de Castaneda, mage, dictateur gourou, inventeur, imposteur, a demandé à Mebius de réaliser le storyboard de ce film, et qui ne se fera jamais, mais qui les lira à tout jamais et donnera à Jodorowsky, après les difficultés cinématographiques, l'idée que la bande dessinée est un merveilleux médium où les rêves de papier que l'on a, plutôt que de les développer en storyboard, on peut les développer sous forme de livres et on peut même les vendre et même en vendre beaucoup. Et puis quand on rencontre quelqu'un qui a le talent de Moebius, quelle joie que d'écrire une nouvelle pour lui et que de la voir se transformer magiquement. Les yeux du chat, c'était, je me souviens de sa sortie, un petit livre offert en prime par les humanoïdes associés. Vous achetiez deux albums ou trois peut-être, je ne sais plus, et vous receviez les yeux du chat. Mais si vous aviez feuilleté les yeux du chat, vous étiez prêt à acheter n'importe quel titre des humanoïdes associés. Et l'album s'est épuisé très vite, et puis on l'a réimprimé, mais jamais aussi bien. Il n'a jamais eu cette magie première, et peut-être dans la collaboration, les longues collaborations, les multiples collaborations de mebius et jodorowsky peut-être n'ont-ils jamais atteint la même perfection que celle de ce petit récit d'une invraisemblable cruauté et d'une insondable perfection graphique mais on ne peut pas toujours faire des Arzak, on ne peut pas toujours faire des garages hermétiques de jerry cornelius on ne peut pas toujours faire des films comme dune qui finalement sont repris par un autre alors on reprend ce style de Meubius et on va faire une forme plus accessible. Ce sera la série de Lincal et puis ses innombrables avatars. Une série talentueuse, mais qui marque déjà chez Meubius une façon, peut-être, de revenir à une forme de sagesse. Hein. Une bande dessinée qui est aussi un commerce, qui doit aussi séduire des lecteurs plus nombreux et pas simplement les autres auteurs et les fans. Il n'empêche que. Dans Métal Hurlant, on continue à prendre des risques, on continue à faire du neuf dans des directions très diverses, à laisser, comme dans Pilote, mais sur un autre mode, coexister, cohabiter des dessinateurs et des dessinatrices d'esprits très différents. Ici, une page de Chantal Montelier, toujours active aujourd'hui, toujours aussi créative, qui arrivait avec des histoires directement politiques dans un journal dont on ne peut pas dire Métal Hurlant que l'idéologie était parfaitement dessinée, ni parfaitement proche de la ligne du Parti communiste français ou des marxistes-léninistes. Mais quand on voyait un talent proche, comme celui de Montelier, d'un groupe de graphistes comme Bazouka, auquel un graphiste, celui qui avait conçu le journal Étienne Robial, qui concevra aussi la maquette d suivre était particulièrement sensible, et eh bien voilà. On accueillait cet auteur. Et puis, et puis, comme il commençait à y avoir des femmes, plusieurs femmes, Montelier, Clavelou et bien d'autres, Florence Testa, qui est même un homme, Jacques Tardy, qu'est-ce qu'il fait là On crée une revue faite par des femmes et plutôt pour des femmes, et qui est plutôt provocatrice, à Nana. Le titre vaut ce qu'il vaut, hein, l'écho des savades, flux dana, Adana. Bon. Euh, nous dirons que c'est l'humour d'époque, mais en tout cas, la brillante journaliste Edith Orial nous déclare que pour vous, en effet, des fans se raconteront par la plume ou le pinceau et hors de toute contrainte. Mais cette liberté que nous avons offerte à toutes nos collaboratrices ne se conquérera que petit à petit. Se délivre-t-on d'un seul coup Assurément, non. Voilà pourquoi... Anana est une expérience aventureuse et à suivre. Voilà, on parle aujourd'hui beaucoup de la féminisation de la bande dessinée. On a eu la génération des, des blogueuses, des Margot martin des Pénélope Bagieux. Voilà, mais c'est quand même un moment dans les années 70 où quelque chose bouge et avec des thématiques quand même un petit peu surprenantes. Voilà, euh, homosexualité, changer de sexe, transsexualité. Ça fait grincer des dents et le numéro tombera sous les coups de la censure au numéro 9 consacré au thème de l'inceste avec une couverture assez provoque. Et ce n'est pas passé, je, je, je vous l'épargne. On se méfie un peu. Métal Hurlant, on en voit de toutes les couleurs, il y a de tous les genres. Ce n'est pas un journal monolithique, ce n'est pas un journal de SF. C'est un journal bouillonnant, un journal d'expérimentation, un journal où Jean-Pierre Dionnet, bientôt flanqué de Philippe Manœuvre, qui fera une autre carrière et qui apporte un esprit rock encore plus énergique que lui, et qui écrit des articles incendiaires et lance des polémiques quasi-folles dans le journal, qui fait qu'on se précipite d'ailleurs. Sur chaque numéro de métal hurlant, autant pour lire le rédactionnel, ce qui est rare dans les revues de VD, que pour regarder les bandes dessinées. Il y a notamment des éreintages des albums de la concurrence qui restent dans les mémoires. Certains, 40 ans après, ne s'en sont pas remis. Et donc, il y a aussi un volet rock avec, avec Trambert et, et Jeannot, Ben Radi et surtout euh, Margerin qui connaîtra un très grand succès et qui apporte un autre type de ton la banlieue les motos, la musique, un humour somme toute euh, bon enfant et qui réussira à faire vieillir son personnage de rocker en même temps que lui sans perdre ses lecteurs et même en en gagnant quelques-uns. Il y a aussi d'autres auteurs, par exemple des Belges euh, issus d'une école qui se veut novatrice et qui est très marquée par Mebius, Druyet et les autres, Claude Renard. François Skeuten, et François Skeleton avec son frère Luc, apporte cette histoire presque sans parole, la débandade, deuxième histoire publiée, après Carapace. On a le sentiment à ce moment-là que c'est le lieu principal où ça se passe, et dans d'autres maisons d'édition, y compris dans les plus classiques, les plus sérieux, chez l'éditeur de Martine, de Tintin, de Alix, de Lefranc, on commence à se dire attention, attention, la bande dessinée bouge. Nous, on est là euh, avec les quatre As et chevaliers Ardent. Il faudrait peut-être se secouer un peu. Et donc, un jeune éditeur, Didier Plateau, arrivé euh, à la tête d'un département de la maison, après avoir édité le premier volume des archives Hergé, se dit que les archives, c'est gentil, mais que l'innovation, c'est pas mal. Et il rencontre euh, un Italien exubérant, Hugo Pratt et décide de publier plusieurs de ses histoires chez Casterman. Elles n'ont pas eu beaucoup de succès dans PIF et quand La Balade de la mer Salée est été éditée au départ, elle n'a pas plus de succès. Les premiers albums étaient en format classique, j'en avais déjà parlé. La Balade de la mer Salée est une sorte de roman bande dessinée, un gros livre en noir et blanc. Heureusement, il a un prix à Angoulême et donc Didier Plateau sent qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là mais Hugo Pratt qui a toujours publié dans la presse dit mon cher Didier il faut un journal un journal les livres tout seuls ça ne sert à rien et un autre auteur qui vient d'être accueilli chez Casterman avec une série qu'il a commencée, Adèle Blanc-Sec deux premiers volumes de format classique de dessin faussement classique sont parus en album direct sans prépublication ce qui pose à l'auteur Quelques difficultés économiques d'abord, on y reviendra, mais qui posent aussi la difficulté d'imposer une série venue de nulle part, tombée comme ça sur la table des libraires, même si à l'époque les albums sont peu nombreux et qu'on les remarque, il n'empêche, cette série ne s'impose pas. Et Jacques Tardidi, on a des lettres, on les a retrouvées récemment, mon cher Didier Plateau, si vous voulez faire quelque chose, il faut une revue. Mais Casterman, c'est un éditeur de livres, pas de revue. Tension, parce que d'autres se lancent. Il y a BD, l'hebdo de la BD, de très grand format, où Tardy et Manchette se sont lancés dans l'adaptation d'un des romans de Manchette euh, euh, griffu, Couverture, une pleine page, chaque semaine, d'autres auteurs intéressants. Casterman n'a aucune envie de voir partir les brillants auteurs de la jeune génération, ou de la presque jeune génération qui vient de recruter Prat ou Tardy. Alors, on. Angoulême, on rencontre quelqu'un qui s'est occupé de pif, puis qui a dû quitter pif, qui ne se sentait pas tout à fait à l'aise, et on propose à ce monsieur Jean-Paul Mougin de réfléchir à une nouvelle formule, Je ne s'appelle pas tout de suite à suivre, on vient peu à peu à ce titre, on constitue une Petite équipe, une secrétaire de rédaction, Anne Porot, un maquettiste qui vivra toute l'aventure du journal, Bernard Ciccolini. La maquette de base a été créée par Étienne Robial, le concept a été défini par lui. Et les voilà, tous les trois, qui créent leur journal. Mais ils n'ont pas un groupe d'auteurs autour d'eux. Ce n'est pas une initiative d'auteur à l'origine, c'est véritablement une initiative éditoriale. En plus, Casterman est à Tournai, c'est bien loin. On sait très bien qu'une rédaction à Tournai, ça va être un peu difficile, alors on on prend des bureaux à Paris et on met au point un numéro 0, puis un numéro 1, avec un concept assez radical, du noir et blanc, rien que du noir et blanc. Pas de récit complet, rien que des récits à suivre, des histoires longues, des histoires romanesques. Parce que si la moitié de la Révolution a eu lieu avec métal hurlant, cette moitié qui consistait à libérer le graphisme et les sujets, il reste l'autre moitié du chemin à parcourir. Renouveler les récits, réinventer du romanesque, trouver une nouvelle façon de raconter des histoires en bande dessinée. Je vous lis ces quelques lignes d'un éditorial resté célèbre, celui du numéro 1. À suivre, demandera à ceux qui sont les maîtres d'un nouveau genre de s'exprimer en toute liberté. À suivre, présentera chaque mois les nouveaux chapitres de grands récits, sans autre limite de longueur que celle que voudront leur donner les auteurs avec toute sa densité romanesque, à suivre sera l'irruption sauvage de la bande dessinée dans la littérature. Sauvage, petite concession à l'esprit du temps. Hein. C'est bien que tout le monde ne va pas accueillir comme ça cette irruption. Gallimard n'est pas encore sur les rangs pour racheter Casterman à l'époque. Regarde quand même tout cela d'un peu loin. Mais il n'empêche qu'avec un récit comme ici même de Tardy et Forest, et je reviendrai sur trajectoire de Tardy plus amplement la prochaine fois, liberté d'une narration et en même temps plaisir d'un vrai feuilleton, plaisir d'une histoire qui chemine peu à peu vers sa fin et qui ne s'égare pas, qui se renouvelle sans larguer ses lecteurs, avec bientôt un auteur belge qui est tout fait dans le cadre du journal Tintin, qui était sur le point d'arrêter la bande dessinée, Didier Comès ou Dieter Comes, puisqu'il vient de la partie... Alémanique de la Belgique, un autre récit se lance, silence, tout un programme, un personnage de quasi simplet dans un village des Ardennes, une histoire simple, un graphisme marqué par celui du Goprat, mais plus systématisé sans doute, et une histoire qui, mois après mois, va émouvoir de très nombreux lecteurs. À suivre, ne tourne pas le dos aux ancêtres. Et ne tourne pas non plus le dos à l'idée des esprits de rédaction, des conférences de rédaction, des numéros collectifs. Alors quand il y a un événement, l'assassinat de John Lennon ou la mort moins tragique de Hergé, on rassemble les énergies, on crée des passerelles entre les générations, on crée des rencontres entre les auteurs. Et puis, on retrouve à gauche, à droite, des auteurs un peu égarés comme Munoz et Sampaio, qui pourront là, dans un cadre plus confortable, développer de grands romans en bande dessinée, apporter un nouveau style graphique qui déconcerte d'abord, et puis qui se fait accepter. On va chercher le déjà un peu sulfureux Manara, qui développe... Les aventures d'un certain Giuseppe Bergman, qui rencontre sur son chemin un certain HP qui ressemble furieusement à Hugo Pratt, et qui tente des incursions suffisamment marquantes dans l'érotisme pour qu'à la sortie de la grand-messe, le dimanche à Tournai, M. Casterman se trouve interpellé par l'évêque, en disant tout de même Casterman, éditeur de Martine et de Tintin, ne nous avait pas habitué à la pornographie. Il faudra y mettre bon ordre. M. Casterman transmet à M. Plateau, qui dit à Jean-Paul Bougin Il est de mon devoir de te prévenir, mais continue, continue. Et à suivre se développera. Et grâce à suivre, le mouvement du transfert vers l'album que les humanoïdes associés et d'autres maisons avaient déjà entamé. Ce mouvement de transfert va se faire de plus en plus fort. On rêve évidemment à ce moment-là encore que les deux formes vont pouvoir cohabiter. On rêve qu'il pourra y avoir le journal et le livre et que les gens seront contents de tous les suppléments. Et puis on se dit qu'on va laisser attendre un petit peu entre la fin de parution dans le journal et la sortie du livre. Mais évidemment, le transfert peu à peu se produira. La collection, les romans à suivre, ouverte par ici même, continuée par silence. Incorporant les rééditions de Prat, donnant naissance à de nouveaux récits, de nouveaux auteurs, Rochette et Lob pour le transpersonnage, qui n'imagine pas alors qu'il deviendra un jour un film à succès, mais qui est déjà une histoire marquante du journal. Tout cela nourrit le catalogue d'un éditeur qui en avait bien besoin et trouve à la bande dessinée de nouveaux lecteurs, et notamment des gens qui n'en lisaient pas. Et pour faire au passage une Brève confidence, moi qui avais un peu décroché de la bande dessinée, c'est un matin à la gare du Nord que j'ai acheté par curiosité le numéro 1 à Suivre, que je l'ai lu de la première à la dernière ligne et que je suis véritablement revenu à la bande dessinée. Des récits parfois décalés par rapport à ce que font les auteurs, Rosinski et Vanham, les auteurs de Torgal, tentent d'en suivre une expérience d'un autre genre. On le défie du noir et blanc, mais la revue s'ouvre peu à peu à la couleur et à quelques auteurs de la nouvelle génération, lecteurs de la première heure. On accueille là avec joie toutes sortes de démarches, celles de François Bouc, associé pour plusieurs récits remarquables au romancier américain Jérôme Charine, qui n'a pas l'impression de déchoir en écrivant pour la bande dessinée. Francis Mas, que l'on retrouve et qui développe avec les deux du balcon, son univers extravagant qui largue certains lecteurs et en enthousiasme d'autres. L'Oustal et Paringo, qui avait démarré à Métal Hurlant, mais qui, parce que Métal Hurlant est quand même un journal un peu instable et où l'on oublie quelquefois de payer les auteurs. Même si il arrive que les mêmes, les responsables, préfèrent utiliser le Concorde qu'un avion ordinaire pour aller à New York, rêvent de grands projets hollywoodiens, mais quelquefois délaissent le quotidien, oublient des planches ou les perdent. Alors voilà, Loustal et Paringo, comme quelques autres, rejoignent aussi à suivre pour des récits magnifiques comme Cœur de sable ou Barnet et la note bleue, apportant ce travail de couleur directe. Cette liberté graphique et même. Cette liberté tout court dans l'occupation de la page où on ne se sent pas obligé de faire six cases, sept cases, huit cases, où l'on peut aussi laisser respirer l'image et même, quelle audace, ne pas utiliser de phylactère. De la bande dessinée sans bulles, ça y est, c'est possible. Maintenant, c'est possible, c'est un langage parmi d'autres de la bande dessinée muette, c'est possible aussi. Et ça, tout cela. Ce sont des gains qui se sont faits insensiblement, comme un certain type de graphisme, un certain type de dessin, pas tout à fait fini, commence à être accepté par les lecteurs. Et on peut aussi faire des pages de bande dessinée qui intègrent des pages de carnet, qui jouent avec la peinture, avec l'écriture manuscrite, comme dans la superbe série de Jacques Ferrandez, Les Carnets d'Orient. Je glisse, je vis vite, bien sûr, ces œuvres méritent tout développement. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est davantage les articulations. Et la bande dessinée n'est pas entièrement du côté de la subversion, elle n'est pas entièrement du côté du renouvellement des codes. Le jeune éditeur Jacques Glénat veut revenir à une bande dessinée plus populaire, aime l'histoire et les histoires, et trouvera avec François Bourgeon, avant une rupture cinglante, trouvera en la personne de François Bourgeon et avec Les Passagers du Vent une série capable de réconcilier un assez large public autour de la précision du dessin de Marine et de la légèreté des vêtements des héroïnes. Synthèse qui réussira souvent à Circus, qui mêle ainsi la volonté de raconter la grande histoire sur un mode plutôt classique et la volonté de séduire un lectorat avant tout masculin. Mais il y a des séries remarquables, il y a des auteurs remarquables comme Juillard et Cotias qui développeront longuement les sept vies de l'Épervier, grande saga historique et romanesque, brillamment dessinée. Il y aura de même, par le belge Hissler, qui avait démarré chez Spirou, la grande saga des cendres qu'il continue avec succès depuis bien des années et qui traverse les époques avec une gamme de couleurs tout à fait particulière qui a fait en partie le succès de son œuvre. Les revues, quand elles ne vont pas bien, ont un tort, une mauvaise tendance, c'est de créer une revue clone, une revue seconde pour accroître le public. C'est ce que fera Gléna en ajoutant vécu à circus. C'est ce qu'a fait à plusieurs époques Métal Hurlant en créant Rigolo ou Métal Hurlant Aventure. Les revues, quand elles ne vont pas très bien, quand elles se sentent sur le point de chuter, essaient d'inventer de nouvelles formules, pas toujours heureuses. Ce sera le cas de l'écho des Savanes qui a perdu l'esprit des fondateurs, qui trouve en Manara un pilier. Lui permet enfin, puisque l'évêque de Tournai ne s'occupe pas de l'écho des savanes, d'être développé, et le déclic, puis le déclic 2 et 3 et le parfum de l'invisible. Et j'en passe, je ne vous montre que sur la droite, que la page la plus chaste, celle où la machine à déclic, est expliquée dans son fonctionnement. Je vous renvoie. Mais à l'intérieur même de l'érotisme, dont l'écho se fait une spécialité parfois peu facile et un peu racoleuse, il y a des dessinateurs admirables qui émergent, c'est le cas des frères Varennes, Alex et Daniel Varennes, dont les premières œuvres, la saga Ardeur et notamment cet album Ida Maus, ont un usage du noir et blanc tout à fait remarquable. Mais l'évolution de l'écho des savanes, la recherche d'un succès plus large, la volonté d'en faire un magazine le rapproche davantage de lui ou d'autres revues que de la... Bande dessinée, voilà donc un espace grignoté peu à peu, un espace qui ne s'offre plus vraiment aux auteurs de bandes dessinées, même si, mois après mois, avec autant d'énergie et de provocation que d'humour et de talent graphique, Philippe Villemin continue les sales blagues de l'écho. Voilà, un, ori un original. Vous voyez que l'original lui-même est un peu sale, mais quand même très beau. À suivre bouge aussi, on essaye, comme tous les journaux qui ne vont plus tout à fait bien, qui ont un peu perdu le contact avec le monde, on essaye des nouvelles formules, on accueille de nouveaux auteurs, comme Max Caban avec Colin Maillard, maître non seulement de l'intimisme, d'un érotisme subtil, mais aussi de couleurs directes, parfaitement utilisées dans ses souvenirs d'enfance. On a la très mauvaise idée de créer un magazine spécialement pour Corto, Corto Maltese. Ça fait partir plusieurs talents. C'est aussi extrêmement coûteux que de vouloir combiner le grand reportage et la bande dessinée, et envoyer des auteurs au bout du monde. Certains, comme Jacques Ferrandez, font de toute façon le travail. Mais pour d'autres, ça ne donne pas lieu à grand-chose. Et chaque lecteur de Corto est un lecteur perdu pour à suivre et non pas un lecteur qui s'ajoute. Alors on veut ajouter des pages magazine, on séduit de nouveaux auteurs comme. Juillard qu'on avait vu tout à l'heure et qui réalise une très belle chose avec le cahier bleu. On incorpore un comics et c'est Stanley et Mebius qui reprennent le temps d'une trentaine de pages, le surfeur d'argent. On essaye des idées de toutes sortes, du rédactionnel différent, des pages d'humour, mais rien de tout ça ne suffit, même si de grands auteurs sont toujours là, à commencer par la découverte principale des dernières années à suivre. Nicolas de Crécy ici avec Chaumet et Léon Lacam et les albums qui suivront. Oui, on peut mettre le chat en couverture. L'humour n'était pas la chose la plus présente dans à suivre, mais il est là, chassant bon, mais chassant pas si bon que ça pour les ventes. Les abonnés sont moins nombreux, les ventes en kiosque sont déplorables. Les ventes des albums, elles, augmentent. Elles sont toujours présentes et les albums issus d Suivre conquièrent de nouveaux prix. Mais au moment où Hugo Pratt quitte ce monde, c'est comme l'origine d'Asuivre qui s'en va, et le signe qu'il est temps avec Tardy qui avait ouvert le journal de le fermer. Et pourtant ce n'était peut-être pas inéluctable, car il y avait des talents dans l'esprit de ces journaux, dans l'esprit de métal, du premier écho des savanes. Dans l'esprit de suivre de jeunes auteurs qui arrivaient avec des idées neuves et des styles neufs. On les voit ici rassemblés sur cette photo rare que je suis heureux d'avoir trouvée. Matt Contur, Kilofer, Stanislas, louis Trondheim, Jean-Christophe Menu, David B., Philippe Dupuis, Charles Berbérian. Lassé de se voir refuser leur page un peu partout. Eux qui parfois ont réussi sporadiquement à placer une, ils se disent et si on se mettait ensemble Et si on faisait quelque chose comme les artistes associés Et si on créait une revue à nous Et qu'on s'appelait non pas les humanoïdes associés, mais tout simplement l'association. Et on crée une revue en petit format, en noir et blanc, et on publie dans cette revue en feuilleton, et puis on a une énergie militante énorme on cherche des abonnés. On cherche à amuser les abonnés en revenant aussi avec une ancienne tradition issue des timbres du journal Tintin, issue des images à découper de Spirou. Alors chaque abonné reçoit toute une série de bonus, de cartes postales, d'images chocolat. Oui, les fondateurs ne manquent pas d'humour, ils s'auto-représentent, ils ont une énergie collective plus grande et plus vraie que lors des réunions de rédaction du journal pilote. Les voilà David B., Lewis, Matt Conture. JC Menu Kilofer et Stanislas. Il passe le week-end à faire des petits pliages pour des livres pâtes de mouche. Mais oui, l'association est incassable et ne noircit pas et les abonnés sont de plus en plus nombreux. Et puis, on tient un discours idéologique sur la revue, sur la bande dessinée, sur l'usure de la bande dessinée dans les grandes maisons. On est là à l'orée des années 90 et tous ces jeunes gens veulent secouer la chose continuer à développer leur revue avec une ligne graphique extrêmement pure extrêmement simple, longtemps du noir et blanc exactement ce qu'à suivre avait voulu faire à ses débuts, mais on le fait autrement ce sont d'autres styles de dessin, celui de Lewis Trondheim qui a appris à dessiner en dessinant son premier long album les 500 pages de Lapino et les carottes de Patagonie, où l'on voit le progrès graphique au fil des pages et un style s'inventer David B. Je reviendrai sur lui, qui donnera naissance à un des chefs-d'œuvre de la bande dessinée moderne avec la série autobiographique L'Ascension du Haut Mal, menu, et bientôt Marjane Satrapi, seule femme du groupe dans un premier temps, et auteur-autrice d'un best-seller aux dimensions mondiales, qui à la fois donnera à l'association et à la revue Lapin un retentissement inimaginable à ses débuts et qui en même temps précipitera sa chute. Mais peut-être ne faut-il jamais s'attrister trop de la mort des revues. Peut-être faut-il se dire qu'une revue, un mouvement, représente une énergie collective à un moment, à un projet, un projet qui correspond à une génération, qui s'accomplit avec elle. Le succès de l'association, c'est la dissémination de ses auteurs dans les autres maisons, c'est l'influence exercée sur toute la bande dessinée environnante. Le succès, c'est aussi une chose difficile à gérer. Il est parfois difficile de partager le très peu, mais il peut être plus difficile encore de partager le succès d'une singularité, l'énorme succès qui peut devenir écrasant par rapport aux autres. Alors je m'arrête sur cette image emblématique. non seulement de l'aventure magnifique, Lapin, revue qui a donné naissance à des livres, revue qui a donné naissance à un mouvement, revue qui se rebaptise ironiquement au moment où elle est en train de disparaître et de perdre sa nécessité, Mon Lapin Quotidien, dernier numéro en date. Il y a bien sûr d'autres revues depuis, il y en aura d'autres. Il n'empêche que l'histoire de la bande dessinée, est telle qu'on pourra continuer à la raconter, telle que je tenterai de continuer à vous la raconter, très largement, n'est plus aujourd'hui une affaire de revue, même si elle est toujours une affaire de papier. Une page est tournée, oui, mais cette page, pour les lecteurs, pour les éditeurs et plus encore pour les auteurs, représente un adieu difficile. Car peut-être les revues de bande dessinée étaient-elles synonymes du métier d'auteur de bande dessinée. Ces revues qui assuraient, bon an, mal an, bon mois, mauvais mois, le revenu des auteurs. Ces, revenus, ces revues qui leur permettaient de se faire connaître, de se faire découvrir, qui leur permettaient de tester de nouvelles voies. Et bien leur disparition, un peu programmée par le développement de l'édition de livres... Cette disparition les a laissés quelque peu orphelins et a laissé beaucoup de lecteurs et de lectrices quelque peu désemparés devant la multiplicité du choix et la difficulté à se décider et peut-être le repli inéluctable sur ce qu'on croit être les valeurs sûres et qui ne sont que les valeurs d'hier ou d'avant-hier.